de Sébastien Raybon pour le moment. Ah, Lyon qui a augmenté hein, un peu le niveau de tempo. On a passé la mi-match, il reste 8. Kevin Ekfeuille qui se fait un peu brasser contre la cage, attention. Et but. Ça y est, il est là et c'est Michel. C'est Michel qui ouvre le score pour Lyon. Le palais qui est perdu, on n'aura pas de ralenti à vous proposer. Non, malheureusement. Et Reus qui chasse. C'est compliqué pour les Mulhousiens. Mikevic bloqué par Raybon, le retour. Oh, le deuxième but. Et ça fait 2-0. Aïe. Et voilà, ils sont en train de boire la tasse, les Mulhousiens. Ça va être tenu jusqu'à mi-match. On avait des deux côtés, on avait bien défendu sur les box-play. Attention. Donc le gros pétard, le retour, le palais jouable. Attention, oui, il est là, le troisième but. Le rebond donné par Sébastien Raybon. Et le troisième dans la foulée. Aïe, un Mulhouse qui avait tenu et qui prend l'eau en l'espace de 3 minutes. Trey va peut-être pénétrer, voilà, c'est fait. Ah, dommage. Ekfeuille en haut de la zone, c'est lui Ekfeuille. Qui donne le jeu. Il cherche. Mais le but d'Ekfeuille. Ah, qui soulève la crosse, Kevin Ekfeuille. Il soulève la gourde, pardon. Ah, il revient. Ouais, juste dans la petite lucarne là. Le balayer de Kevin Ekfeuille qui part sous la barre, la crosse, la gourde se soulève. 14 secondes. Et on va se retrouver à 5 contre 3. Coréa qui est parti sur le retard de jeu. Ekfeuille. Allez, Yorick. Yorick Trey. Le pétabut. Yorick Trey. Allez, c'est Kevin Ekfeuille qui. Et pose de power play, voilà qui est fait. 3 secondes et Demitters va revenir. Vite peut-être Yorick. Vite. But, oh, but. L'égalisation. Allez. Beau travail là du power play installé. Juste attention, revenir Sida. Vite. C'est dans l'arrière. Oh là là, là par contre, il y a une supériorité. Revenir vite. Et là, il a cassé le patin. Je crois qu'il a cassé le patin. Un problème avec le patin. Attention, attention. Et but. Et voilà, ça y est. On n'arrive pas. Qui va remporter ce match en prolongation. Tu avais raison, Richard, on n'ira pas au tir au but.